une méditation, une prière. Moment de méditation et de prière pour une vie personnelle, une vie de couple et de famille équilibrée au niveau psychologique, émotionnel et spirituel. Une méditation et une prière, votre série préparée et présentée par Lucien Coco, accompagnateur en relation d'aide. Et maintenant, préparez-vous pour ce moment solennel. Chers amis, bienvenue à notre moment de méditation et de prière. Notre sujet du jour, le pardon et la colère au sein du couple. Chers amis, admettons que l'un des conjoints, celui qui est l'offenseur, refuse de reconnaître le mal qu'il a commis, la blessure qu'il a infligée à l'autre. Que faire? Vous savez, pour vous dire la vérité, c'est le cas le plus difficile, mais aussi celui que nous rencontrons le plus souvent dans les couples en matière d'accompagnement et d'aide. Quand l'époux ou l'épouse ne reconnaît pas sa faute, il ou elle ravit la blessure de l'autre, augmente sa souffrance et sa douleur. Parce que tu lui expliques qu'il ou elle t'a fait mal, que tu as été blessé et que tu veux que l'autre te comprenne pour effacer ta blessure. Et vous constatez que l'autre ne veut pas vous comprendre. Mes amis, je sais que cela fait mal et vous met dans une colère parfois. Maintenant, voyons une réaction logique face à l'offenseur. Face à une offense, l'offenseur alors exprime sa tristesse, sa colère, et c'est normal. Il exprime ses émotions. Maintenant, face à une offense, celui qui a été offensé exprime sa tristesse, sa colère, et c'est normal. Il exprime ses émotions, ce qu'il ressent, ce qui se passe en lui face à sa blessure. Car tu ne peux pas brider tes émotions, sinon tu vas exploser un jour. Voilà pourquoi certains meurtres ont lieu et qui nous surprend parfois. Il est anormal de ne pas réagir à une agression grave. Comprenez ce que je dis ici. Il y a des gens qui s'en veulent parce qu'ils ont réagi à une blessure. Il est normal et logique d'éprouver de la colère devant l'injustice et la souffrance subie. Nier sa douleur, c'est manquer de respect à soi-même. Nier sa colère, c'est ne pas se respecter soi-même. C'est tomber dans une forme de déni. Voilà pourquoi les églises, la société, les foyers sont remplis de kamikazes. C'est-à-dire des gens prêts à exploser à tout moment sur vous. Quand la question est posée, êtes-vous en colère? Oh non, je ne suis pas en colère, ça va bien. C'est un mensonge. Car en chemin, à la maison, tu ronronnes, tu vas dormir fâché, tu donnes dos à ton conjoint, tu lui dis de ne pas te toucher, tu es boudé alors que tu viens de dire que tu n'es pas fâché. Si seulement tu avais exprimé ta colère dans un dialogue constructif, cela ne serait pas arrivé. Maintenant, ma réaction face aux blessures, voyons cela en quatre points. Premièrement, au lieu de nous reconnaître victimes et d'être en colère, nous ressentons de la culpabilité et de la honte. Ce sont alors des sentiments de raquette ou de substitut, et en les utilisant, nous nous détruisons nous-mêmes. Exemple, la colère ou la tristesse sont interdits et remplacés par la culpabilité ou la souffrance. Une personne victime d'abus sexuels, à qui l'on a toujours interdit d'exprimer sa colère et sa tristesse, aura un sentiment de raquette, de substitut, qui sera la culpabilité. À ce moment-là, le plaisir et la joie sont interdits et remplacés par la culpabilité ou la colère. Quel dommage! Deuxièmement, nous sommes submergés par une colère excessive qui se transforme en haine, violence et désir de vengeance. Or, la colère et la haine ne peuvent pas aller ensemble. Car la haine s'exprime justement quand la colère n'a pas été dite. Donc comprenez que cette agressivité, ce passage à l'acte, n'est pas la bonne expression de la colère. Elle ne laisse que déception et culpabilité. Troisièmement, quand on est en colère, cela déclenche en nous un afflux d'énergie dans notre corps. Mais parce que nous considérons la colère comme négative ou comme un péché,
alors nous ne nous autorisons ni à la ressentir, ni à l'exprimer. Nous la refoulons, faute de la retourner contre l'offenseur. Le risque de ce comportement développe des maladies psychosomatiques, telles que l'asthme, un ulcère, de l'hypertension, la migraine et la dépression. La colère retournée contre soi-même est la cause majeure de la plupart de dépressions aujourd'hui. Il faut apprendre à exprimer sa colère. Cela s'apprend. Quatrièmement, la colère comme la douleur dans le corps a une fonction d'alarme. Elle nous signale que quelque chose ne va pas. C'est comme le voyant d'huile dans une voiture. Elle nous avertit d'un problème. Maintenant, la question se pose. De quelle colère parle-t-on ici? Y a-t-il plusieurs facettes de la colère? Nous allons étudier cela dans notre prochaine méditation et découvrir des choses très très intéressantes. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que chaque conjoint, quand il a offensé son conjoint, doit le reconnaître, l'accepter et demander pardon, point final. La Bible déclare dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît, les avoue et les abandonne est pardonné. » La conscience est un don de Dieu pour nous forcer en tant que conjoint à réfléchir sur nos actes. Car en tant que conjoint, nous faisons tous des erreurs. Mais ce qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est la repentance. C'est-à-dire reconnaître et se repentir, demander pardon à son conjoint. Si vous voulez vraiment rétablir une relation d'amour, une relation honnête, sincère, si vous voulez que votre conjoint vous aime et vous respecte, il faut commencer par admettre vos erreurs ou vos péchés. Car c'est seulement en reconnaissant ses propres fautes que l'on y voit clair quant à la direction à donner à son couple et à sa famille. Alors que le Seigneur, par son esprit, touche notre conscience et nous conduit vers le chemin de la repentance et du pardon dans le nom de Jésus. Amen. Préparons-nous donc pour la prière. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, notre Papa d'amour, nous voulons bénir ton Saint Nom à cet instant béni. Tu es le Dieu de l'amour, du pardon, de la joie. Tout en toi n'est que bonté. Dans ta présence, tu nous dis qu'il y a de la joie en abondance. C'est avec joie que nous venons confesser nos fautes devant toi, car nous croyons qu'en Jésus, tu vas nous les pardonner. Alors Père, bénis-nous et comble-nous de tes dons pour faire de nous des enfants heureux et pleinement épanouis en toi, qui expérimente ton pardon et qui est prêt à le partager. Seigneur, tu nous dis que quand l'un des conjoints ne reconnaît pas sa faute, il ravit la blessure de l'autre, augmente sa souffrance et sa douleur. Nous savons que c'est l'une des choses les plus difficiles au sein du couple et à laquelle il faut faire face. Cette situation génère parfois de la colère, la tristesse, l'incompréhension, et cela fragilise le couple et la famille. Nous voulons en ce moment, Père, que tu touche le cœur de chaque époux, de chaque épouse, afin de les sensibiliser quant à ce problème majeur. Afin qu'étant sensibilisés, que chacun puisse mettre de l'ordre dans sa vie personnelle avec toi d'abord. Car c'est bien un problème spirituel. Et ensuite dans leur famille respective, dans le nom de Jésus. Et souvent, Père, c'est l'orgueil qui empêche de reconnaître sa situation, reconnaître que l'on n'est pas parfait. On peut tous commettre des erreurs envers notre conjoint. C'est l'orgueil qui nous fait croire que l'on a toujours raison et qu'on n'a pas à demander pardon à son conjoint. Alors, Père, au nom de Jésus,
brise, s'il te plaît, et déracine cet orgueil dans le cœur de chaque époux, de chaque épouse. Libère-nous de ce principe de vie qui ne vient surtout pas de toi, mais du malin. Il pousse les époux et les épouses, les parents à être orgueilleux afin de détruire cette institution qu'est le mariage que tu as créé pour ta gloire, mais aussi pour notre bonheur. Seigneur Dieu, apporte une véritable réforme dans le cœur de chaque époux, chaque épouse, chaque parent, afin que nous puissions être à la hauteur et de donner une bonne image de toi au sein du mariage. Dieu de paix, opère ce miracle, s'il te plaît, dans chaque cœur. Oui, Père, déracine l'orgueil, l'égoïsme dans le cœur des conjoints, car c'est à cause de cela que le pardon est difficile. Oh, nous t'avons prié dans le nom de Jésus, et que toute gloire, honneur, louange te soit accordée au siècle des siècles. Amen. Amen. Pardon, pardon d'avoir jugé, pardon. Pardon d'avoir condamné, pardon, pardon d'avoir blessé, pardon, pardon d'avoir critiqué, c'est vrai. Sans rien faire, pardon, c'est mon cœur qui te prie, pardon, oh viens plus.